Salut! Allez, dernière vidéo sur F-Factor 2 pour le contenu qui vient d'être dévoilé par le studio 397. Donc on va partir sur la Dallara, la dernière voiture de ce pack qui doit être également, je crois, 4,99. Et on va faire ça sur Watkins Glen. Alors j'ai essayé de trouver des circuits un petit peu adaptés, effectivement. Paradoxalement, RF2 avait, enfin Studio 397 avait sorti une vidéo trailer, je crois que vous l'avez vu, de ce véhicule, sous la pluie. C'était sur, je sais plus, Indianapolis, il me semble. Oui, ça doit être ça. Le problème, c'est que sous la pluie, c'est inroulable, c'est injouable, parce que à partir du moment où tu as un pare-brise et pas d'essuie-glace et que tu suis les véhicules, la traînée forcément provoque des gouttes d'eau sur le pare-brise qui ne s'en vont pas. Donc j'ai essayé, injouable. Donc un peu bizarre de ce studio d'avoir fait ce trailer dans ces conditions-là. Bref, donc c'est ni pluie ni de nuit, à moins que ce soit le circuit, je pense, totalement éclairé. On va partir donc sur Watkins Glen avec les concurrents, une vingtaine de concurrents, temps sec et 4 tours. Voilà, ça va être du sport parce que l'IA a parfois du mal à se placer et vu le véhicule, voilà, ça promet du sport. Donc on est parti tout de suite en piste. Alors avant de lancer la course, on va quand même regarder au niveau des livrets et au niveau du showroom. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choix en termes de coloris, de livrets, il y a vraiment très peu qui se ressemblent. Donc c'est les livrets officiels avec les vrais noms. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est quand même pas mal foutu. On va aller voir dans le showroom ce que ça donne. Et c'est, vous allez voir, encore du bon boulot, hein, très clairement. Hop, ça on va l'enlever. J'ai plus, voilà. Allez, on va tourner. Hop. Voilà. On va zoomer un peu. Et vous voyez. C'est quand même vraiment très très propre, très très beau. Assez original hein, cette voiture, avec encore un aileron proéminent aussi devant, derrière gros aussi. Regardez-moi ça les détails. Hop. Non, il n'y a pas à dire. C'est du beau boulot, l'intérieur aussi. Hop. On peut pas zoomer plus. Mais c'est vraiment joli. Voilà. Alors, avant de passer à la course, je vous préviens tout de suite, ça a été un carnage. Je vous mettrai peut-être un best-of à la fin, j'en sais rien. On va voir comment je ferai le montage. Mais ça a été d'un compliqué. J'ai peut-être pas choisi le bon combo. En tout cas, le bon circuit. Bref, je vous laisse voir là-dessus. 4 tours. Bon visionnage. Salut. Je peux le faire. Je peux le faire. Je le sais. 58e prise. Pas de dégâts, ça va, ça tient. Ah, j'ai dû modifier l'IA, j'ai dû modifier l'agressivité, j'ai dû modifier tellement de choses. On va essayer d'arriver au bout. Mais cette phrase, ça fait au moins, je sais pas combien de fois que je l'ai fait cette intro. Je crois pas avoir fait. Si j'ai peut-être fait 3 tours pour l'instant. C'est d'un compliqué. Donc, au volant est un tout petit peu décalé. Vous voyez sur mon aile droite, petit peu de dégâts. Allez, on va essayer de se libérer des quelques boulets du milieu de grille. Donc j'ai le radar, vous le voyez pas vous, hein, parce qu'il est en surimpression. Faut arrêter de freiner comme ça, monsieur. Faut arrêter de freiner comme ça. Je sais même pas si j'ai encore un aileron avant, si je l'ai encore, visiblement. Ah là là là, il est à droite, ouais. Je l'ai vu plonger, hein, le petit jeune derrière là. Avec tous les appendices aéros qui sont endommagés, à mon avis. En termes de vitesse de pointe, je vais être totalement à la rue. Je tape normalement les 300 et là je suis à 270. On va essayer de les contenir hein, parce que sinon, c'est pas la peine.
8ème, on va essayer de garder au moins cette place là et viser le top 5. Bien grand, le mec il se met devant et puis après il freine. On se croirait sur un lobby. Oh le dive bomb. Si vous voyez que je suis pas à l'aise, c'est normal. Alors. Là si c'est pas de la chance. Allez, on va se concentrer, il reste deux tours. On va quand même la finir cette vidéo. Pas de raison. On va rester à l'affût avec du bol, ils vont se planter tous les deux. En tout cas, j'aime bien le type de voiture. Mais c'est très compliqué. Quand t'es dans la mode comme ça, c'est une horreur. Là j'ai laissé le halo parce que bon, j'ai l'habitude de l'avoir en VR donc j'aime bien le laisser un petit peu. Il est pas énorme. Allez. Le FFB il est bon, hein. ça retranscrit vraiment ce qu'on a en général dans les monoplaces. Allez, passe la vitesse, la motricité. Alors, il va se mettre devant, on va se méfier. Voilà, il est milieu de piste, j'ai pas pu passer. On va essayer de trouver le moment opportun parce que... Ouais, j'ai dû freiner vraiment très tôt. Hein. Et après lui il repart. C'est-à-dire que... Il y a beaucoup plus de motricité que moi. Est-ce qu'on peut le prendre à l'extérieur ici? Oui, oui, j'ai tenté, ça a passé. Allez, ici normalement... Oh, il se place quand même, ça c'est... Regardez-moi ça le malin. Le gars, il se place. Voilà. Je vous dis, on se prendra sur un lobby. Bon, après, Watkins, je pense pas que c'est un circuit officiel. Donc voilà, on va se dire que l'IA n'est pas travaillé comme si c'était du vrai boulot de studio. Sans forcément... minimiser le travail qui a été fait sur le circuit, mais voilà, à mon avis. Alors c'est sûr que j'aurais pu prendre du circuit officiel, mais bon, après ça se limite aussi dans le choix. Allez, on va au moins essayer de rester à cette deuxième place. Premier, je sais pas si je vais pouvoir l'attaquer. On va essayer quand même de donner un petit peu plus sans se tuer, hein, parce que j'ai pas envie de recommencer. Vous voyez, on le reprend vraiment très facilement sur certaines zones, notamment celle-ci. On va freiner bien plus tôt. Ah, je savais de toute façon qu'il allait freiner comme... de façon exagérée. Cette portion là, ouais, ils sont vraiment complètement largués. Non, c'est trop risqué. Vaut mieux finir deuxième. Regardez-moi ça. Allez, on en termine là. C'était du sport, croyez-moi. J'en ai fait les prises, j'en ai fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous, on va se laisser là, à cette deuxième place. Et puis, je vous dis une bonne journée. À la prochaine. Tchuss.